La bouche des mots. Ah, la bouche des La mots. bouche des mots. Pour moi, la bouche des mots, c'est ça. La bouche des mots, même si ce n'est pas le bout du monde, c'est un lieu de partage. La bouche des mots, c'est un papier, un crayon et tout un tas d'inspirations. Ah, la bouche des mots. Avec les mots en route et en route, une communauté dans la créativité collective qui m'a apporté au cœur et du baume à mes mots, je vous ai rencontré sur le chemin avec les réseaux et la crise, pendant des mots et un certain isolement du quotidien, lors d'un quotidien dans un confinement, sur les travers de la créativité, la bouche des mots, avec tous ces cœurs, au sein d'un groupe et enchanté, je dis merci pour cette générosité. La bouche des mots est un vrai moyen de faire perdurer mon goût pour l'écriture et son don de plaire à un vaste public, histoire de communiquer et faire en sorte que la culture, le partage et l'échange restent pérennes et ouvertes à qui veut le lire, l'entendre ou le voir. Je remercie du fond du cœur quel plaisir j'ai pu affronter ces temps difficiles par le biais de mon écriture et me rendre ainsi actif dans ce marasme culturel que l'on subit depuis un an. La bouche des mots dégouline de ma bouche, dégouline des mots suaves, des mots sensuels, de mes lèvres dégouline des mots. Des mots que je voudrais offrir à certains, certaines, quand l'heure sonne. À personne, je voudrais offrir, mais les mots sont acquis. À qui sont les mots? Les mots ne sont jamais acquis. Mes mots, ce sont mes mots, et parfois les tiens, si je les partage, c'est avec et moi et toi. Dis-moi, que fais-tu de tes mots? Tu les gardes secrètement là-bas, dans tes placards ou dans tes secrets coffrets cadenassés? Dis-moi. Que fais-tu des mots de la bouche? Je t'embrasse en tout cas, moi. Pour moi, la bouche des mots, c'est ça. Une rencontre, un instant T. Instantanément, des personnes qui se livrent, des personnalités. La bouche des mots, c'est avant tout cinq mots. Cinq mots lancés avec lesquels on improvise une histoire. Il y a 15 ans est née cette communauté d'internautes et l'improvisation en était la clé. Et le cadre des chats tels que IRC. Il y a un an, au vu du contexte, j'ai relancé la machine, me disant que des mots pouvaient tronquer les mots de tous. La bouche des mots, c'est donc de la création collective et des échanges, des rencontres. Des centaines de textes, des illustrations, des planches de BD, des slams, Oui, tu viens des d'ici, contes, tu es des douce, la podcasts livreuse audio, de mes nuits, des déesse de mes clips, rêves les plus et j'en fous. Tu passe. danses dans l'espace comme le La vent. bouche des mots, c'est ce que vous en faites. C'est votre bouche à tous. C'est sur les chemins arborés que nous faisons les plus belles rencontres. Il fut un temps où l'effusion des âmes heureuses se rencontrait joyeuses sous la cime des arbres. Marchons, marchant, virevoltant, les cheveux au vent. D'un pas hésitant, elle s'accroche.